Salut, c'est Kaliana et on est sur Far Cry 5. La fois, on avait récupéré les pépèches. Micro? Est-ce que tu marches, micro? Je peux tuer n'importe quelle bête avec une seule balle. Allô? Bon, des petits problèmes de micro, apparemment. Allô? Bon, on va essayer comme ça. Alors, on va aller là. Des survivalistes, on dirait des écureuils. Autant récupérer tout ça. Je crois qu'on fait une différence ici, mais allez savoir, avec cette brume qui nous brûle la tête. Change de place. Que mon œil soit clair et ma main plus vive que ceux qui cherchent à faire du mal. Je trouve un meilleur endroit. Merde! Ça c'est beau. Bordel! Wow. Content que vous ayez pu nous aider à la prison. Peut-être quelque chose d'utile. Tu pars d'une ville. Ah, il y a des élans dans le coin. Pépèche a des yeux sublimes. Dans mon souvenir, Steve bossait sur une bagnole monstrueuse dans son garage. Je me demande s'il a réussi à la terminer. Elle pourrait servir au cougar. Change de position. Je peux rien faire d'où je suis. Ok, j'y vais. Je l'ai éclaté comme une pastèque. Ça, c'est pas trop intéressant.
Je bouge pour trouver une meilleure vue. En plein dans la tête. On sait jamais sur quoi on peut tomber. Je peux pas rester là, je bouge. Je pense qu'il se relèvera pas. Voilà. Change de place. Il en faudra plus pour m'abattre. Un ennemi. Salut. Je sais pas comment cette drague s'est retrouvée encastrée chez Roy, mais ça a suffi à lui faire plier bagages. Il a dû se dire que son bunker était compromis. Je parie qu'il est complètement inondé. À la prochaine. J'ai mal placé. Je bouge. J'aime pas trop les trucs comme ça qui changent de forme. Je bouge pour trouver une meilleure vue. Oui, bah ailleurs que devant moi. On sait que t'es là! Change de position. Je peux rien faire d'où je suis. Voilà, comme ça ils pourront pas appeler de secours. Seigneur, rends-moi rapide et précise. Vas-y, pépèche! Ça fait mal! Pour les mais pêcheurs, elle a les moyens de bien emmerder Dunsgate. C'est le genre de personne qu'il nous faut. Va voir ce que tu pourrais faire pour elle. Salut mon pote. Salut mec. Merci d'avoir nettoyé la marina. J'ai un défi pour toi. Elle est où? Elle est là. Ils ont voulu faire du mal à mon petit Thunder d'amour. J'avais à peine fini de le dresser. Adélaïde Drubman, ravie de faire ta connaissance.
C'est gentil de m'avoir aidé à récupérer ma Marina, mais j'ai un autre problème, Trésor. Ces enculés de fanatiques ont piqué mon tulipe. C'est l'engin le plus rapide de ce côté du Montana, et j'ai pas l'intention de laisser ces raclures de bidets me le voler sans rien dire. Je l'ai reçu pour mon divorce, cet hélico, en toute légalité. L'espèce de bite dégénérée qui me l'a volé l'arpent avec cette horrible couleur mayonnaise des tarés. Alors pour le retrouver, tu vas devoir identifier le pilote. Ça devrait être assez simple. Tous les autres hélicos du coin sont pilotés par des femmes. Avant, les week-ends, on volait ensemble. Mais notre amitié est partie en couille quand ces pauvres débiles ont rejoint Eden's Gate. Alors ça me dérange pas si jamais tu leur exploses la gueule par accident. Qu'est-ce t'en dis, Trésor? Aide-moi. Et mon tulipe et moi, on viendra te chercher quand tu voudras. Merde. Pépèche doit foutre les jetons quand elle s'y met. Ok. Un hélico couleur mayonnaise, ça doit être visible. Comment ça va, mec? Le silencieux et le chargeur amélioré. Alors, la couleur. En bleu, il est joli. En bleu. La lunette de verre. Merci. C'est un véritable coin de paradis ici. It's nothing you can say could take me away from my God. It's nothing you can do cause I'm stuck like glue to my God. Ça fait du bien de souffler. On a sûrement interrompu. On va pas prendre la voiture. Je boot. J'enlève la sécurité. Problème droit devant. Les chasses à mort. Je fais pas confiance à ce truc. Autant récupérer tout ça. C'est pas passé loin. Peut-être quelque chose d'utile. Change de position. Je peux rien faire d'où je suis. Ah putain! Micro.
Allô, allô, le micro ? On va rester comme ça. Allez. Je bouge pour trouver une meilleure vue. On a des tarés. Pas si longtemps, le seul cougar du coin, c'était Adélaïde. Non, non, oh, putain. Pitié. Merci. On sait jamais sur quoi on peut tomber. Allez, pépèche, debout.
Faut être prudent si on tombe sur un barrage des sanglés. Se poser là. Je trouve un meilleur angle. Ah putain. Qui a eu l'idée d'appeler Pépèche? Quand t'auras trouvé ce fumier, attends qu'il pose mon beau tulipe. Ensuite, broie-lui les noix et ramène-moi mon engin. Et t'avise pas d'abîmer. Les tarés pensaient contrôler entièrement la région d'Opcanti. On leur prouve le contraire. Ok. Je suis mort contre un poteau. Là.
Ah, c'est celui-là. J'ai vu la secte faire des trucs de dingue ici. Change de place. Allez. On va régler ce problème ou quoi ? R2 mitrailleuse. Ouais. Je bouge pour trouver une meilleure fusée. Trésor, dès que t'auras réglé toute cette histoire, rapporte-moi mon hélico. Et si tu croises un truc qui te plaît pas hors tour, hésite pas à utiliser les mitrailleuses de l'hélico, tu verras. Elles envoient la purée, tout comme j'aime. Et où le dernier ? Je m'en vais, je vous le dis.
Je vous vois encore traîner ici, bande de couilles molles. Je vous foutrai une raclée que vous oublierez pas de sitôt. Nom d'une paire de miches en silicone. T'arrives pile à l'heure pour les réjouissances et tu me rapportes mon tulipe en un seul morceau. Je tiens toujours parole. Donc, si t'as besoin d'un pilote capable de dégommer les noix d'un écureuil à 15 mètres, n'hésite pas. Appelle-moi quand tu veux. Sauf au coucher du soleil. C'est l'heure où Xander fait son yoga. Et j'aime bien regarder. Tu sais pas ce que tu rates si t'as pas vu son petit cul en posture du chien. Oh. Enfin, encore merci, lapin. Je te revaudrai ça. Comment ça va, ma jolie? Bah voilà. Merci pour ce que t'as fait à la prison. On rachète des munitions. Alors... je vais prendre elle à la place de... Adélaïde Dobman, ça c'est une sacrée bonne femme. Elle est douée avec les flingues et elle se déplace toujours avec son hélicoptère. C'est une recrue de joie. Grâce, putain, cauchemar pour l'environnement ce truc. Faut que tu m'aides. T'y crois à ce qui se passe? Leur drogue se répand partout. C'est de la merde toxique qu'ils trafiquent chez Eden's Gate. Cette saloperie est comme un smoothie de l'enfer, tu vois. Et elle est dans la rivière. Tu vois, ces gros conteneurs verts, ils sont pleins de grâce. Et les cinglés les expédient dans un endroit vachement important. On doit trouver où et les détruire. Mon coach de vie, il dit que les problèmes, c'est comme les tractions. Faut les décomposer. Donc, première étape. J'ai eu vent d'un ordi qui pourrait nous aider à pister ces conteneurs. Ensuite, on les trouve et on les fait sauter, genre... Merci de ton aide. Cet endroit compte beaucoup pour moi. C'est le premier truc que j'ai eu dans le divorce. Au moins, elle a pris son divorce de mon côté. Mais barre-toi! Je pourrais changer d'angle. Tout seul sur la piste de danse. Tu trouves quelque chose, trésor? Attends, j'ai perdu mon... Ah putain, où il est? Merci, Seigneur, pour la constitution. Ah, j'ai plus de place.
laisser ça. GPS sur leur bateau. Malin, pas vrai? Alors trouve l'ordinateur, trouve les bateaux et trouve leur conteneur. Et après, tu fais tout péter. Bah! C'est compris. Je cherche ce trésor. Bah voilà. J'aurais pu faire mieux. Et je vais faire mieux. Je me cherche une meilleure vue. Chose, trésor. Ah, et Adélaïde est vachement plus drôle que Grace. Ce serait idiot de laisser ça. Je change de position. Ok, j'ai un signal GPS. On va pouvoir traquer ces bateaux. Bon, déjà, pour commencer, tu vas devoir prendre les airs pour les suivre. Il y a un héliport à côté de cette station-service. Va te servir et prendre l'altitude. T'es pas très doué pour jouer à cache-cache, non? Alors, hélicoptère. Oh, celui-là, il est sympa. On va prendre le rouge. Merci, petit Jésus. T'es prête à valser avec les cinglés? Ça, c'est la belle vie. Enfermée dans mon hélico avec une pilote canon et mon chéri Xander dans l'oreille. Oh, Andy, c'est magique. Ça me rappelle quand? Chut, mon ange. Maman réfléchit. J'ai perdu trop d'années de ma vie avec un macho de merde impuissant qui me répétait sans arrêt les conneries que j'avais faites ou la tenue que je devais porter. Dieu merci, et je me suis débarrassée de ce gros lard. Et maintenant, j'ai mon beau chevalier à mes côtés. C'est de moi que tu parles, hein? Tu vois, c'est ce que je te disais. Sa bite pèse plus lourd que son cerveau. Oui, mon amour, c'est de toi que je parle. On a un gros problème en
Et voilà. On y est. Glander, on y est. Je m'attendais pas à ce genre d'aventure en me levant ce matin. Vous devriez voir de gros conteneurs de graisse vert. Vert comme le jus de cale, pas l'avocat. On peut voir la différence parce que c'est... C'est bon, mon lapin. T'inquiète pas. Ils vont regretter de nous avoir rencontrés, l'officier et moi. Bon, ça va, ils nous ont pas remis trop loin. On peut voir la différence parce que c'est... C'est bon, mon lapin. T'inquiète pas. Ils vont regretter de nous avoir rencontrés, l'officier et moi. Ça t'apprendra. C'est... Ah, elle a pris un autre hélico. Tu la ramèneras.
rien dans la forêt. Arrêtez de me tirer dessus! J'ai mal! Quelqu'un! Et c'est même pas sur toi que j'ai tiré. Tout ça à pied. Hein, parce... Oui, mais j'ai une idée. C'est une ancienne mine, alors ça doit grouiller de C4 et d'explosifs là-dedans. C'est parfait pour exploser les conteneurs de grâce. Pas vrai? Là-bas, Pépèche, y'en a un. Alors... Docteur... On va aller chercher le docteur. Ça, je l'ai oublié. Est-ce qu'on pourra... Se concentre sur la cible.
Rien dans la nature n'est plus... Aidez-moi! Qui a su me montrer. Je survivrai dans le tour. Parc géothermal. Tiens, un petit clin d'œil à Far Cry Primal avec le mammouth. Seigneur. Merci de m'avoir sauvé. Je suis le docteur Charles Lindsay. Je fais partie d'un groupe de gens qui sont à la prison, au sud d'ici. Ça fait des jours que Face et ses anges essaient de nous attaquer. J'étais sorti chercher un moyen de les arrêter quand la secte m'a trouvé. Je crois que j'ai trouvé quelque chose pour attirer les anges. Mais les ingrédients pour l'appât sont dans mon sac, et la secte l'a jeté dans les temps. Et, je sais pas nager. Je sais, c'est un scandale. Mais j'ai besoin. Ah, bien sûr. Qu'est-ce que c'était ? D'où est-ce que ça venait ? Pitié ! Ça va mal finir ! C'est bon, je l'ai. Oh.
là, mais... Grimpe. Cadeau. Ah, oh, Pépéche est morte. Du calme. Je vais la... Tout va bien. Parce que j'ai entendu. Vous l'avez. Vous nous avez tous sauvé la vie. Sérieusement. Désolé, moi c'est Charles. Tout le monde m'appelle Doc, mais je suis pas vraiment médecin. Je suis vétérinaire, mais pour l'instant, je suis un peu l'urgentiste du coin. Soigner les blessures par balle, c'est vraiment très différent d'une mise bas. Vous pouvez me croire. Désolé, on s'en fiche. Voilà ce que je propose. J'ai trouvé un truc qui a l'air d'attirer les anges. Ce qui veut dire qu'on peut les contrôler. Je suis sorti pour faire des tests, mais tout a capoté. Putain de secte. Je suis à court d'ingrédients, et si je reste ici, je vais finir par me faire tuer. Il faut que je retourne à la prison. Vous pouvez m'aider? J'ai une liste complète de ce qu'il me faut. Si vous me rapportez tout, on a peut-être une chance de survivre. Je sais pas me servir d'un pistolet. Mon arme, c'est le laboratoire. Alors, récupérer une peau. Alors, les ours.